Bonjour, comment vous êtes? Eh bien, je vous ai envie de montrer comment nous sommes capables de diminuer les dépenses en compagnie. Eh bien, nous connaissons surtout dans le moment côté que il y a des difficultés pour notre corps. C'est le moment même pour nous chita, pour réfléchir, pour nous connaître sur comment nous sommes capables de diminuer les dépenses compagnie ou bien entreprise que nous à fonctionner. Eh bien, je vous ai nous parler ensemble comment nous sommes capables de diminuer le gaspillage dans le papier et diminuer le gaspillage dans l'encre. Eh bien, Xerox vient avec pour nous une option qui relie Xerox Secure Print. Eh bien, moi relie l'option paysan. Eh bien, comme option ça tellement belle, moi pas d'avoir nous regarder vidéo ça pour compte nous. M'a invité nous partager avec nos amis nous pour nous montrer comment nous capables diminuer dépenses dans papier dans l'encre. Eh bien, option ça jamais dit c'est option paysan. Nous va voir comment les fonctionner. Et ça arrive nous souvent que nous lançons une impression et après un petit temps nous cherchons l'impression ça, nous gardons nos papiers documents. Et nous connaissons l'autre monde dans le même moment que nous lançons l'impression qui imprime tout et puis qui passe qui prend tout document nous. Eh bien, option ça, c'est que j'en fonctionne. Eh bien, document que moi vais pour m'imprimer, moi vais mettre un code sur le document ça. Et lorsque je vais devant l'imprimante, moi vais avoir la possibilité pour mettre le même code ça. Qui pourrait permettre que le document soit moins supprimé ou bien moins imprimé. Et option ça, il y a deux belles avantages. Il permet de diminuer les dépenses dans le papier, dans l'encre. En même temps, il y a une sécurité pour le document. C'est ça, la confidentialité. Vous avez un document que vous voulez imprimer, vous n'avez pas besoin d'elle. Eh bien, c'est lorsque vous avez un code, document ça, bien pour le sortir. Eh bien, ensemble, nous allons regarder comment l'option a fonctionné. Moi, j'ai un document, j'ai une lettre que je vais imprimer. Et la lettre est confidentielle, côté que je ne veux pas n'importe quel nouvel dans l'imprimante. Eh bien, ça c'est le document que je vais imprimer. Print. Je vais choisir le modèle équipement que je voulais imprimer. C'est sur un Xerox 3345 modèle Xerox. Et je nous dis que l'équipement Xerox offre un avantage. Côté que je vais choisir de prendre un document. Mais avec nous, option est importante. Bon, dis-nous comment on peut commencer. Pour vous-même qui ne prêtez pas attention. Nous prenons sous print, nous choisissons le modèle équipement noir, je dis printer properties. Ok? Lorsque je dis printer properties, par défaut, job là, il est sous normal print, ça veut dire lorsque je imprime et document n'a pas sorti sans que je ne logue pas, je prends monter nos options secure print là. Je vais sélectionner, je vais cliquer sur Secure Print. Une fois que je clique sur Secure Print, je vais entrer le code que je voulais mettre sur le document que je vais imprimer. Eh bien, je vais entrer le code. Je dis OK. Je dis OK. Et puis, je vais valider l'impression. Ensemble, nous allons regarder comment. Ok, moi je vais sur printer, j'en m'étais dit, lorsque je vais devant, je n'ai pas de possibilité pour m'entrer le code d'accès. Je clique sur Secure. Une fois que je clique sur Secure, je vais voir User qui est Supercoach avec un job qui est document que je suis lancé. Je clique sur lui. Et bien, une fois que je clique, il va entrer le code d'accès. Le moment final de code lancé, ça me accès avec le document pour me dire pour me prêter. Mais lorsque je réfléchis, je fais erreur dans le document. Eh bien, je vais faire une correction. Je vais dire non, je ne veux pas imprimer le document. Si je regarde ensemble, je vais dire lettre. Je vais dire que je ne veux pas imprimer le document parce que le document est en ligne. Il faut que je fasse une correction avant. Je vais dire lettre. Quand je vais faire une correction dans le document et le ça va imprimer, eh bien, qui ça que nous avons, il évite que je fasse un gaspillage, que l'impression ne passe pas. Je vais faire une correction normale. Côté que je ne vais pas mettre de date.
OK? OK? Qu'on y a document moi correct que moi mette date qu'on y a moi ca lancer impression là. Et j'aime désir pas dans printer properties moi choisi secure print. Ça veut dire c'est moi même seulement qui a accès avec document ça avec code là moi mette. Et puis moi lancer impression. Et bien ensemble nous va regarder comment document là que l'arrivé. OK. Moi pour aller lancer Secure Super Coach user moyen et puis mettre code que me mettre sur document moyen. Yo fois que me fin valider et puis me dit prêt. Ça veut dire si me pas mettre code dans document là, il va faire toute une journée, une semaine, un mois avant que l'imprimer. Ça veut dire gain chance pour que lorsqu'on l'autre monde lance impression, il pas prendre document là. Et bien nous vous merci parce que vous t'a accordé un petit temps pour regarder vidéo. N'a pas invité ou gagné option ça sur tout réseau yo, parce que li ka éviter gaspillage avec la gérer question de sécurité confidentialité. Nous vous merci parce que vous avez choisi bay temps pour garder vidéo ça. Nous vous merci et abonnez à channel là, ban nou yon like si tout fois que vous trouvez travail li intéressant et on prochaine fois.